La dernière ligne droite que vous abordez, bien sûr, cette ligne droite du second tour des élections municipales. C'est vrai que la campagne entre les deux tours a été troublée d'abord par le Covid-19, le confinement, puis cette date du second tour qui a enfin connu. C'est un vrai feuilleton ensuite qui s'est ouvert avec les procurations, les sondages, bref, une campagne un petit peu difficile. Moi, j'aimerais avant toute chose, avant de parler de tout cela en détail, savoir dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, en ce lundi 22 juin, vous comme vos colistiers sur l'ensemble des secteurs. Bien aujourd'hui, dans une campagne qui est inédite, mais je pense qu'on va y revenir, je suis très déterminée et je ne lâcherai rien malgré toutes les embûches que je pourrais rencontrer dans la semaine et que j'ai déjà eues de manière nombreuse depuis le 13 septembre 2019, depuis le moment où j'ai déclaré ma candidature. Et donc, je suis très fière de la campagne que nous avons menée, puisque nous avons d'abord travaillé sur le projet, sur le programme, avec plus de 400 experts qui viennent de la société civile, 6000 contributions des Marseillais, Marseillaises, des métropolitains et des métropolitaines, parce que c'est vrai qu'on oublie un peu cette partie-là de l'élection. Et ensuite, une équipe très motivée qui est renouvelée à 70%, dont énormément n'a jamais fait de politique. Et beaucoup sont choqués par la violence des propos. Et je regrette aujourd'hui de ne pas pouvoir travailler sur le projet et avoir une confrontation des projets, parce que le 28 juin, ça, c'est vraiment l'heure du choix. Et il y aura soit Mme Rubirola, soit Mme Vassal qui pourront être élues, en capacité d'être élue maire de Marseille. Je regrette de ne pas pouvoir débattre avec elle sur ses projets, parce que sa vision est complètement différente de la mienne. Elle refuse complètement de débattre avec vous pour ce second tour. On a l'impression d'ailleurs que cette campagne est un peu volée aux électeurs, puisque les dossiers se succèdent sans qu'on puisse véritablement, sauf si on fait la démarche de suivre sur les pages Facebook ce que vous faites, on a du mal à connaître bien les détails de cette campagne. On va en parler bien sûr, mais on est obligé de parler de ce fameux dossier de fraude aux procurations. Donc les secteurs en question jusqu'à maintenant sont le 4e secteur, c'est-à-dire le 6-8 où vous êtes candidate, et les 11-12, là on retrouve Julien Ravier, maire sortant. Alors au-delà de savoir si vous étiez au courant de ce qui se passe, la vraie question est de savoir, parce que cette question vous y avez déjà répondu, donc la véritable question est de savoir ce que vous ferez suite à l'enquête. Une enquête est en cours pour faux et usage de faux. S'il s'avérait que ces procurations ne soient pas conformes à la loi, qu'est-ce que vous ferez, Martine Vassal, au lendemain de l'élection et une fois que vous serez élu, une fois que vous aurez les résultats de cette enquête? Alors, tout d'abord, je n'ai jamais fraudé et je ne vais pas commencer à frauder maintenant. Donc, pour moi, ça, c'est une première chose. Il y a une enquête qui a été ouverte, tant mieux. Cela fera la lumière sur la totalité de l'affaire. Et j'ai demandé à ce que cette enquête soit faite de manière transparente et surtout dans tous les secteurs. Pas et seulement pour tous les candidats qui ont été visés. Donc j'espère qu'elle fera la lumière de partout. Et si ces faits sont avérés, j'en tirerai les conséquences, je prendrai mes responsabilités et je serai intraitable. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Moi, je souhaite qu'on ne vole pas l'élection aux Marseillais et Marseillaises, qu'on ne les détourne pas de la problématique du projet et qu'ils soient démobilisés pour des histoires qui semblent être un feuilleton, alors un mauvais feuilleton, qui malheureusement est là pour entacher ma probité. Et ça, je ne laisserai pas faire. Donc, je ne l'accepte pas. Et moi, je souhaite qu'on revienne sur le projet. Sur le fond. Sur le fond. Parce qu'on est en train de jouer les 6 ans, l'avenir de la ville de Marseille. Vous savez, Marseille, elle est sur, je le dis régulièrement, sur une ligne de crête. Cette ligne de crête, soit on tombe d'un côté vers Rubirola et ses amis avec Mélenchon, qui voulait faire de Marseille, qui veut faire de Marseille un laboratoire, puisqu'il l'a dit lui-même en 2017. Soit, et là on tombe dans le déclin, le chaos, ce qu'on retrouve tous les samedis, notamment à la Plaine, avec toutes ces émeutes, ou alors on continue à développer cette ville, on continue à avancer pour attirer des entrepreneurs, pour lui permettre de prendre la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter et qu'elle devrait avoir aujourd'hui dans l'arc méditerranéen, donc vers l'avenir et le développement de cette ville. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que la totalité des Marseillais et des Marseillaises et des métropolitains et des métropolitaines soient conscientes des enjeux qui se jouent. Parce qu'on vote pour les deux, vous rappelez aux gens qu'on vote bien sûr pour les deux, avec des compétences qui sont
très liés. Mmh. Donc on vote pour les deux. Donc ne nous faisons pas voler. Au premier tour, on s'est quand même fait voler une partie de l'élection. Oui, une abstention très forte face au Covid et la très peur forte. Des gens d'aller voter. Je comprends. Parce que quand on ferme les écoles le jeudi, que le vendredi on ferme les restaurants et que le samedi on vous dit si vous êtes en fragilité et que vous attrapez le virus, vous risquez de mourir, je comprends que les personnes ne se soient pas allées voter. C'est le premier donc combat contre donc l'abstention. C'est le premier combat contre l'abstention. Je pense que Marseille a besoin d'un maire qui soit courageux, qui soit déterminé, qui n'ait pas peur et surtout qui n'ait pas la main qui tremble. Et surtout qui sache ce qu'elle veut faire de la ville de Marseille. Et là, on est dans un flou artistique quand même, avec une aventure très hasardeuse avec le printemps marseillais, sous un joli vocable. Je pense que c'est à la fois la canicule sociale qu'on va avoir et l'hiver fiscal qui va nous tomber dessus. Alors, le dernier sondage sorti crédite donc le printemps marseillais de 36% des suffrages, ou même de 29%. Alors, on peut apporter ou pas crédit au sondage. On a vu très souvent les sondages se tromper. Hein. Mais est-ce que ça risque pas, Martine Vassal, quand même, de démotiver les électeurs et les indécis, surtout, qui hésitaient encore face à cela, de pas donner envie d'aller aux urnes le 28 juin? Il y a eu deux sondages qui sont sortis à quelques jours d'intervalle. Le premier, effectivement, me donne 7 points de retard par rapport à Madame Rubirola, et le deuxième me donne 5 points de retard. Je constate que la première chose, c'est qu'effectivement, il y a une mobilisation très forte de la gauche, de l'ultra-gauche, pas uniquement à Marseille d'ailleurs, partout, en France, dans la France entière. Oui. Mais je constate... Pour les écolos, si les écologistes à pas, ou alors des formations de gauche. Exact, on le voit bien de partout, mais je constate aussi que je mobilise autour de ma candidature, puisque au soir du premier tour, j'étais à 22%, et que là, je suis passée, donc j'ai pris 7 points, puis 9 points, donc je rattrape mon retard, mais j'en tire aussi deux enseignements, c'est que c'est une élection, d'abord, c'est une élection par secteur, et la deuxième chose, je pense qu'on fausse un peu les résultats dans ces sondages, parce qu'on sonde également des candidats qui ne seront jamais maire de Marseille. Et qui ne sont pas présents sur l'ensemble des secteurs. Donc je ne vois pas l'intérêt de sonder, c'est jamais vu au deuxième tour, 6 personnes. Il faut sonder, c'est un duel. Si c'est un duel, à ce moment-là, effectivement, le report de voix m'est favorable. On est à un bloc d'ultra-gauche contre un bloc de droite avec en filigrane le Front National qui, lui, n'imprime pas non plus parce que c'est la haine, parce que bon, on connaît par cœur ce qu'il véhicule, hein. C'est tout ce qu'on ne veut pas, mais malheureusement aujourd'hui ben il n'y a pas 36 choix, donc voter pour le Front National aujourd'hui c'est me faire perdre des voix, voter pour des candidats qui n'ont aucune chance de gagner c'est également me mettre en difficulté par rapport à l'ultra-gauche du printemps marseillais. C'est un vote qui pourrait s'avérer dangereux. À Marseille donc il y a cette possibilité, parce qu'on vous le disiez, il y a une dynamique de gauche qui s'est mise en place avec les écologistes un petit peu partout. On le voit à Strasbourg, on le voit à Lyon également. Il y a aussi la division de la droite ici. Est-ce que ce n'est pas la première raison aussi de cette émergence à gauche, si la droite était partie en bataille rangée? Bien sûr. J'ai essayé de rassembler de manière très large. Alors, d'abord à gauche, il faut regarder quand même le paysage de gauche. Alors, je le dis régulièrement, sur les ondes parisiennes, je dis que c'est un pastis marseillais. À Marseille, je dis que c'est un picambière. C'est 4/3. Vous avez 1/3 de socialo-communistes, vous avez 1/3 de France insoumise, vous avez 1/3 de collectif, et vous avez 1/3 maintenant de vert, avec dessus un petit zeste de CGT. Donc ça, c'est une aventure complètement hasardeuse. Au lendemain de l'élection, se sont disputés juste avant, ils se disputeront juste après. Ils ne peuvent pas diriger la deuxième ville de France. Sur des dossiers emblématiques, ils ne pourront pas prendre des décisions. Au lendemain, non seulement Madame Rubirola dit à la télévision « je ne suis pas prête, j'ai rien à dire, je ne suis pas prête », mais en plus, on a à l'agachon derrière, une Madame Fortin, qui est d'ailleurs se présente contre moi dans le 6-8, qui est, elle, à la tête d'un collectif de la Plaine, Man-Mars, on voit ce que ça fait, qui a sur sa liste un monsieur qui s'appelle Monsieur Hugon, qui fait partie du parti pirate, donc c'est un parti anarchiste. Et de l'autre côté, vous avez Madame Camard, qui est en embuscade dans le 1-7, qui est la suppléante de Monsieur Mélenchon. Et vous avez Monsieur Payan, qui essaye de tirer un peu les ficelles de tout ça. Donc c'est gravissime à
4 jours d'un scrutin, enfin 5 jours d'un scrutin très important et fondamental pour la ville de Marseille, de ne pas savoir qui va être le maire. Alors les divisions à droite, bien sûr que je les regrette, bien sûr que j'ai tendu la main à Monsieur Bruno Gilles depuis le départ, et d'ailleurs j'ai même tellement tendu la main que j'ai envoyé mon candidat dans le 4e et 5e secteur, M. Jean-Philippe Agresti, trop tard. Il n'a pas eu le temps de véritablement faire campagne. Quand vous démarrez un mois avant, c'est un peu compliqué quand même. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai continué au lendemain du deuxième tour à tendre la main à M. Bruno Gilles. À telle enseigne, c'est que j'ai accepté de faire le pacte de raison que proposait Renaud Muselier, qui me soutient fortement. Et parce que derrière, il y a les élections régionales, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des élections qui se succèdent. Donc Renaud me soutient aujourd'hui fortement. Il a une très bonne idée sur le pacte de raison. J'ai saisi cette occasion pour prendre la tête de liste de M. Bruno Gilles sur mon secteur, Ludovic Pernet. Donc ce qui veut dire que j'ai levé un de mes fidèles sur la un qui n'a pas démérité pour lui laisser pour être avec à la nous, famille, à la famille, à la famille de se rassembler. J'ai appelé à voter pour, dans le 4e et 5e arrondissement. Mais je vois que malheureusement ma main tendue est restée avec une crampe. Surtout Martine Vassal, que ça risque de se jouer à peu de choses, et donc ce fameux troisième tour qui est l'élection du maire qui se passera au conseil municipal risque d'être décisif. Il y a des alliances qui devront se faire. Moi je voudrais que vous écoutiez ce que disait Bruno Gilles à notre micro, c'était il y a juste 15 jours lundi pour le journal politique. Écoutez puis on commente sa phrase. Au troisième tour, vous voulez que je fasse quoi? Que je tue 40 ans de vie politique en un seul vote? Que je vote au cas où Stéphane Ravier? Que je vote Rudy Rola? Mais jamais, jamais. Donc il est très clair, il dit jamais, jamais. 15 jours après, est-ce que vous pensez, parce qu'il a pris quand même des positions vis-à-vis des procurations, est-ce que vous pensez qu'il sera toujours dans votre famille politique et qu'il soutiendra le troisième tour? Il l'a dit sur vos antennes. Il l'a dit, donc s'il le dit sur vos antennes, je prendrai l'exemple du 11e et 12e arrondissement où son candidat, M. Robert Assante, n'a aucune chance d'être élu parce qu'il fait 10,72 tout simplement parce qu'il y a eu une faible participation. Eh bien écoutez, il peut toujours, même le matin du scrutin, enlever les bulletins de vote de M. Robert Assante. Et à ce moment-là, le Front National n'aura aucune chose parce que sur le 11e et 12e arrondissement, moi j'ai derrière, sur le 6e et 8e, Mme Fortin, donc l'ultra-gauche, qui est à 3 points de moi, mais derrière la liste de Julien Ravier et de Valérie Boyer, il y a le Front National qui est pas loin. Donc c'est un côté l'ultra-gauche, un côté l'ultra-droite. Donc je pense que la responsabilité, donc on ne peut pas dire sous votre antenne d'un côté bien sûr jamais, jamais au grand jamais, et puis laisser son candidat dans le secteur de madame, de monsieur Ravier, de madame, de Julien Ravier et de Valérie Boyer. Donc j'en appelle encore à M. Bruno Gilles de pouvoir, puisque moi j'appelle à voter pour lui dans le 4e et 5e, hein, pour donc faire barrage, à faire la même chose et à faire la même chose dans le 11-12, pour que bien on lève la candidature de M. Assante, comme ça au moins les choses sont très claires. Puis j'en avais appelé aussi au rassemblement de Mme Narducci et de Mme Biagi. Oui. C'était compliqué au départ, mais Mme Biagi finalement était d'accord pour essayer. Mais je vois elle que là aussi, je vois que malheureusement, les choses ne se feront pas. C'est grave de regarder que son intérêt personnel ou ses égos personnels. Et c'est la même chose, vous le permettrez de le signaler, sur le 6e et 8e arrondissement avec M. Berland, qui ne se maintient que dans mon secteur et qui n'a aucune chance d'être maire de Marseille si c'est pour avoir crédité un poste. De 2% des voix. Des voix. Donc je pense qu'il faut vraiment voter utile. Il faut voter contre l'ultra-gauche et contre l'ultra-droite. Donc voter pour Martine Vassal. Et alors ce Covid a entraîné une crise économique qui paraît inévitable et difficile à mesurer aujourd'hui. On n'en est qu'au début, on voit bien comme les choses se compliquent. Un sondage BVA pour La Tribune et Europe 1 vous fait apparaître devant Mme Aubérola quand on pose la question de savoir quelle est la candidate la mieux placée pour protéger la ville de la crise économique. Vous faites 37% des interrogés contre 23% pour Mme Aubérola. Vous avez mis en place des dispositifs et des actions de proximité. Si demain vous êtes élu maire, qu'est-ce que vous ferez justement pour continuer cette dynamique-là? Parce que il faut faire repartir la machine et c'est fort difficile. Alors, c'est exact, on a été privé de nos libertés pendant 2 mois. On a eu un choc, une crise sanitaire sans précédent qu'on n'aurait jamais imaginé. On a été coupé de nos amis, de nos familles. Beaucoup de personnes ont été isolées. Beaucoup de personnes ont été malades. Moi-même, j'ai été malade. Donc, j'ai perdu des amis.
donc qui sont partis seuls. Moi, j'ai, je pense, on est, quand on voit ce qui s'est passé, beaucoup n'ont pas pu accompagner non plus leurs amis et leurs parents. Terrible. Je pense que c'est quelque chose qui vous marque au plus profond de vous-même. Donc c'est vrai. Pendant cette crise, je n'ai eu de cesse. J'ai mis entre parenthèses la campagne parce qu'on n'était pas du tout dans les problématiques électorales. J'ai voulu effectivement protéger. On a beaucoup de chance hein, sur notre territoire. On a l'IHU, on a des professeurs, on a des soignants fantastiques. On a des, ce que j'appelle les héros du quotidien, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les pompiers, que ce soit les commerçants qui ont ouvert leur commerce, que ce soit les soignants de ville, que ce soit même tous les agents de la métropole. Voilà, donc moi j'ai essayé d'être aux côtés à la fois des agents, à côté des plus démunis, aux côtés de tout le monde pour essayer de passer au mieux. Vous rappelez l'épisode des masques, hein, on vous dit il ne faut pas de masque, il ne faut pas tester. Ben, moi j'ai dit, en me référant notamment au professeur Raoult, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire. Il m'avait dit il faut des masques, il faut tester. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher les masques et je suis allé tester. Oui, je crois que pendant cette crise, j'ai mis toute mon énergie pour pouvoir soutenir. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème économique. Mais je pense qu'il faut continuer parce que malheureusement, aujourd'hui, bon, le virus, heureusement, a disparu. Mais difficulté, ben oui, mais il faut quand même qu'on reste prudent. De toute façon, quoi qu'il en soit, on n'aura plus de période de confinement total. Si jamais il y avait un retour, une deuxième vague, même on prendra des dispositions, on sait ce qu'il faut faire, les gestes barrières, les masques, voilà. Mais la difficulté, c'est la répercussion. Quand vous avez 2 mois d'arrêt comme ça, vous avez une répercussion incroyable. Donc là, on va se retrouver face à une crise économique et sociale sans précédent, terrifique. Et donc, c'est là où on a besoin d'un vrai capitaine, de quelqu'un qui tient dans la tempête, de quelqu'un qui sait tenir la barre, de quelqu'un qui est solide, qui fait des propositions. Alors, c'est vrai que mon programme était extrêmement complet avant le premier tour. Il reste bien complet, mais j'ai voulu le réorienter. Je l'ai orienté sur, à la fois pour protéger, pour la santé, pour que nous ayons des équipements, notamment la PHM, dignes de ce nom. Que ce soit à la Timone, que ce soit dans les maternités, renforcer encore plus. Sur ensuite, protéger au niveau du tissu économique et social, en prenant des dispositions, des mesures, en allant chercher les entreprises, en développant l'économie du tourisme. Toute la culture aussi est très touchée. Le sport, la culture, les événements, tous c'est catastrophique. Et les touristes qui ne vont pas venir. Et les touristes qui ne vont pas venir. Voilà. Donc on a essayé de lancer un plan touriste, mais tout ça c'est compliqué. Et enfin, protéger au niveau de l'environnement. On ne peut pas vivre comme on vivait auparavant. Il faut qu'on soit conscient quand même qu'il y a cette urgence environnementale. Moi, j'en suis consciente depuis 2015. On a vraiment l'impression que les gens sont retournés à une vie d'avant. Hein. Oui, mais bon, je pense qu'on peut arriver à faire de l'écologie normale. Je suis sur, par exemple, là, je suis en train de travailler sur une coopérative de transition économique. Vous avez dédié la semaine à l'écologie. Bien sûr, et sur une coopérative de transition écologique où, pour financer des produits, des projets qui tournent autour de l'environnement, on peut faire de l'économie qui soit de l'environnement. Bien sûr, on peut faire de l'environnement social, écologique, c'est compatible. Beaucoup de pays l'ont prouvé, il faut que nous soyons le fer de lance de cela, parce que nous ici, à Marseille, sur la métropole, on a quand même... Si vous êtes le capitaine du bateau, vous pouvez faire plus sur la ville elle-même. Notamment les énergies renouvelables, le soleil, l'eau, le vent, enfin on a quand même... Il y a beaucoup à faire, mais pour ça il faut de la détermination, et pour ça il faut être déterminé, et moi je vous l'ai dit en début, je ne lâcherai rien après. Autre sujet brûlant, Martine Vassal, celui des écoles qui revient. On voit chaque candidat partir de son plan Marshall, y aller d'un plan avec des... à coups de millions, on a même vu 2 milliards. En cas de victoire à la mairie, quelle sera votre première action pour les écoles, Martine ? Bien, j'ai lancé... Vous voyez, l'avantage d'avoir un peu d'expérience, c'est que j'ai lancé un plan Charlemagne sans précédent au niveau du département pour les collèges. Je souhaite faire la même chose pour les écoles. Merci. Oui, pour les écoles publiques, il y a nécessité impérieuse et de faire urgence de rétablir et de refaire notamment à peu près une quarantaine d'écoles tout de suite. Et puis aussi de permettre à tous les petits Marseillais et Marseillaises de pouvoir aller à l'école dans des bonnes conditions. Vous savez, quand l'école primaire... Quand on confie son école, son enfant à l'école, on confie ce qu'on a de plus cher. Donc c'est important de pouvoir être assuré d'avoir un bon environnement, des repas équilibrés, des bonnes actions. Vous referez un audit de ces écoles? Non, l'audit a été fait. Donc vous savez, à force de faire des études, on avance. On perd du temps et de l'argent. Mais par contre, moi, contrairement à Madame Rubirola, je continuerai
à financer dans le cadre de la loi Fallou au maximum les écoles privées. Parce que je vous rappelle et je vous incite à regarder ce que propose le printemps marseillais, c'est la suppression des financements pour les écoles privées. Donc moi je suis au contraire pour avoir cette possibilité et cette ouverture. C'est complémentaire. Les parents doivent avoir la possibilité de choisir. Et donc je continuerai dans ce sens. C'est bien de le rappeler. Vous savez certainement qu'aujourd'hui le printemps marseillais, Madame Rubirola accueille d'une part Olivier Faure qui est le patron du PS, mais également Julien Bayou qui est celui de l'Europe Écologie Les Verts. Vous interprétez comment ces deux visites à quelques jours ensemble et à quelques jours du scrutin, Martine Vassal? Écoutez, chacun est libre de faire la campagne comme il le souhaite. Si c'est pour dire après en caméra cachée qu'elle n'est pas prête, je pense que voilà, c'est pas la peine de perdre plus de temps que ça. Moi, je vais faire les choses de manière différente. On ne peut pas aujourd'hui faire de meeting, donc je vais faire un e-meeting, donc dans la semaine, certainement mercredi soir, avec des personnalités qui me soutiennent, des personnalités du monde politique. Famille politique. Pour éviter, parce que moi, soi-disant, le printemps marseillais, ce sont des écologistes, mais enfin, il faut venir les gens en avion ou en train. Moi, je préfère utiliser les moyens modernes maintenant que nous avons développés durant le confinement. Donc, je vais lancer un e-meeting pour mercredi soir pour que nous puissions justement avoir des personnalités qui interviennent. Vous savez, en général, quand on intervient sur un meeting, c'est un quart d'heure, 20 minutes. Oui. Donc, faire un déplacement d'un quart d'heure, 20 minutes, moi, je préfère préserver la planète. C'est des idées à garder. J'ai fait des apéritifs Zoom d'ailleurs à une soixantaine de personnes et ça fonctionne très très bien. Sur Zoom, il n'y a pas de problème. Par contre, mais Elsa, modérément, mais surtout continuer aussi à avoir du contact humain, je crois que ça c'est quand même fondamental. Il faut arriver à faire un mix des deux. Ça va être aussi le défi à relever, le dosage entre les deux. Martine Vassal, cette interview se termine. Quel est votre programme jusqu'à dimanche? Vous irez bien sûr voter dimanche, vous votez dans le 6-8 évidemment. Je vote dans le 6e arrondissement, dans le bureau où j'ai toujours voté. Et j'irai avec mon papa qui a 94 ans et qui se déplace pour voter avec vous. Et non seulement il se déplace pour voter, mais en plus il va suivre de très près les résultats et les enregistrer sur son ordinateur. Ah oui. C'est de famille. Donc voilà, et donc. Donc jusqu'à dimanche du terrain. Jusqu'à dimanche du terrain. Mercredi soir, ce meeting. Et entre deux, du terrain, rencontrer les Marseillais et les Marseillaises pour leur dire regardez bien, parce que l'heure du choix, elle est fondamentale. C'est un moment historique le 28 juin prochain. Ne le ratons pas et surtout ne nous faisons pas voler l'élection municipale, comme on s'est fait voler d'autres élections précédentes et surtout aussi le premier tour. Donc allez voter. Tous aux urnes le 28 juin. Aller voter, c'est une évidence. Merci beaucoup. Merci à vous, Elsa. Martine Vassal, on termine rapidement ce journal et je vous libère parce que je présume que la journée est bien chargée. La sortie de la rédaction. La sortie d'aujourd'hui, ben vous le savez, Martine Vassal, c'est la réouverture des cinémas, évidemment, et on s'en félicite. Alors pourquoi pas aller voir L'ombre de Staline? Ça fait lien avec ce que nous venons de dire. Je ne sais pas si je vais avoir le temps là cette semaine. Je me réserve pour la semaine prochaine. Je le propose aux Marseillais ce soir à 21h à l'Alhambra. Il y a une projection en présence de Marie Fitzgerald, qui est écrivaine, chercheuse, journaliste irlandaise installée à Marseille, d'échanger sur le film, évidemment. C'est un film de Agnieszka Holland, qui est d'ailleurs de polonaise. C'est un film qui date de 2020, qui a en VO, et c'est un film très intéressant qu'il ne faut pas rater. Le rendez-vous pour l'information régionale, c'est demain ici même à 12h pour le grand entretien. J'aurai le plaisir de recevoir Leslie Cherfis je l'ai interviewée juste avant l'ouverture de l'hôtel et je pense que c'est intéressant de voir comment se prépare cette grande machine de l'hôtel Dieu. Vous pouvez nous écouter bien sûr en direct sur Radio JM. Vous pouvez également nous suivre sur votre appli, faire vos commentaires et puis rester fidèle à Radio JM puisqu'en deuxième partie, l'actu continue avec le journal d'RCJ. Pour se séparer, puisque j'ai parlé du film L'ombre de Staline, eh bien, un extrait d'une BO d'un film qui se passe aussi en Russie, Docteur Jivago. D'abord, ça nous fait plaisir, c'est un film magnifique. Et c'est un film de 1965, nous étions toutes petites. Un film de David Lean, inspiré du livre éponyme de Boris Pasternak. Merci beaucoup Martine Vassal. Merci à vous. Bonne fin de campagne. Merci à vous.